Matt. Christophe Andelatte. À 24 ans, Cindy Gastaly est une maman aimante, normale. Aucun antécédent judiciaire, aucun problème psychiatrique. Un matin de mars 2018, elle noie sa fille aînée dans la baignoire familiale. Ouvrons ensemble la côte B du dossier d'instruction de Cindy Gastaly. Europe 1, Christophe Andelatte. Dans le système judiciaire français, le dossier d'instruction contient un sous-dossier appelé côte B. Il rassemble les rapports des experts psychiatres, psychologues et de l'enquêteur de personnalité. Ouvrons l'un de ces dossiers. Andelatte raconte. Côte B sur Europe 1. Le matin du 26 mars 2018, à Bordeaux, Cindy Gastaly, affolée, appelle les pompiers. Elle vient, dit-elle, d'essayer de noyer sa fille Maëlys, 7 ans. Par téléphone, le SAMU la guide pour tenter de réanimer l'enfant. En vain. Maëlys, 7 ans, est morte noyée par sa mère. Cindy Gastaly est arrêtée. Et en garde à vue face aux policiers, elle ne peut pas croire qu'elle a tué sa fille adorée. C'est un peu le hasard sur ce dossier-là. C'est-à-dire que moi, j'étais de permanence garde à vue. Le 26 mars 2018, j'étais déjà au commissariat de Bordeaux pour une autre personne. Et quand je reçois l'appel de la permanence... Maître Marie Bézy, avocate de Cindy Gastaly. Moi, sur le coup, je ne me suis pas posé de questions. Je me suis dit que les faits venaient de se produire et qu'il fallait que cette personne donc, reçoive une assistante et qu'il fallait être solide dès le départ. Mais je n'ai pas le détail, je ne sais absolument pas ce qui s'est passé. On me dit infanticide. Je descends au dépôt. Je vois Mme Gastaly, c'est là qu'on se rencontre pour la première fois. Et elle est incapable de m'expliquer ce qui s'est passé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il est un peu plus de 8 heures lundi matin quand la mère de l'enfant appelle la police en s'accusant de la tentative d'homicide. Aussitôt, les secours sont dépêchés. La jeune femme de 24 ans aurait noyé la fillette dans la baignoire. C'est le témoignage qu'elle livre aux policiers arrivés rapidement sur les lieux. L'enfant est inconsciente et transportée au CHU de Bordeaux où elle décède peu après son arrivée. Une autopsie doit être réalisée aujourd'hui pour tenter d'éclaircir les faits. De son côté, la mère de famille a été emmenée au commissariat central pour être interrogée par les policiers de la brigade de la protection de la famille. Elle s'y trouve toujours à l'heure actuelle et a été placée en garde à vue. Une enquête a été ouverte pour des faits criminels d'homicide sur mineurs de moins de 15 ans. Je ne sais même pas à qui m'attendre, je ne sais même pas quel âge elle a. Donc je ne sais pas du tout, je m'imagine plein de choses. Finalement, ça peut être tout un tas de profils différents. Et je vois arriver une femme très jeune, parce qu'elle avait 24 ans au moment des faits. Je vois arriver une femme très jeune, mais sonnée, véritablement sonnée. Ça se lisait sur son visage. Moi, la première chose dont je me souviens ce jour-là, c'était de me dire, j'ai vu une maman qui venait de perdre son enfant. Et qui n'y croyait pas, et qui était dans une phase de deuil. Elle est sonnée, elle est en deuil, mais c'est un deuil immédiat. Donc c'est un deuil encore du mal à réaliser. Et ce qu'elle a fait, et ce qui s'est passé. Madame, il va falloir nous expliquer comment vous en êtes arrivée à tuer votre fille. Mais c'est pas possible. Maëlys est morte. C'est pas possible, je vous crois pas. Je lui ai fait du bouche à bouche, pourtant j'ai tenté de la réanimer comme les pompiers me disaient au téléphone. C'est pas possible, enfin appelez l'hôpital. Vérifiez, s'il vous plaît. Parce qu'elle, elle la voit partir dans l'ambulance, à l'hôpital, enfin, c'est ce qu'on lui explique. Donc pour elle, comme ça s'est pas passé sur place, et qu'elle n'a pas... Elle ne voit pas sa fille après, enfin, elle ne le réalise pas. Je vais vous dire, elle a demandé à tout le monde d'appeler l'hôpital pour vérifier ce qu'on lui disait. Elle n'y croyait pas. C'est pour ça que je vous dis qu'elle est dans cette position de parent en deuil, qui ne réalise pas encore ce qui s'est passé parce qu'elle ne veut pas encore affronter la réalité. Elle n'y croit pas.
elle ne réalise pas. Je sais pas si on peut dire qu'elle est victime d'elle-même. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai senti comme ça. J'ai vu une mère qui a perdu son enfant avant tout. Et c'est comme ça que moi, je l'ai un peu géré dans cette situation. J'ai vu une maman en deuil. Et elle était touchante dans ce deuil. C'était pas quelque chose de travesti. C'était quelque chose de très sincère. En garde à vue, Cindy Gastaly est vue par un médecin. Il confirme que son état de santé est compatible avec son interrogatoire. La jeune mère de famille de 24 ans tente alors de s'expliquer. Mais c'est extrêmement difficile. Elle reconnaît dès le départ, quand elle a appelé les secours, quand ça s'est passé, vu que ça s'est passé au domicile, c'est elle qui a appelé les secours. Et d'elle-même, elle a dit « j'ai noyé ma fille enfin, ». Elle prononce les mots « j'ai noyé ma fille dans la baignoire ». Donc Maëlys est immergée dans la baignoire. Elle dit qu'elle lui a mis les mains dessus. C'est confirmé, c'est corroboré en tout cas par les résultats de l'autopsie. Et ensuite, on ne sait pas ce qui se passe. Elle dit « je prends conscience de ce que je fais, je la sors et j'appelle les secours et je commence le massage ». On n'arrive pas vraiment à savoir ce qui se passe et même il y a des variations de versions sur le comment sa fille arrive dans la baignoire. Est-ce que c'est sa mère qui lui demande d'y aller? Est-ce que c'est la petite qui va d'elle-même, sachant qu'elle était habillée? Autant de questions qui restent sans réponse. C'est pour ça que elle a beaucoup insisté sur l'après, mais l'avant, on n'a absolument aucune certitude de ce qui s'est passé. Et on ne sait pas comment on arrive à ça. Plongé dans l'esprit des plus grands criminels. Ondelat raconte. Côte B sur Europe 1. Christophe Ondelat. Cindy Gastaly est incarcérée à la maison d'arrêt de Gradignan, près de Bordeaux. Dans les mois qui suivent, elle effectue plusieurs séjours en hôpital psychiatrique. Mais quand l'expert psychiatre missionné par la juge d'instruction la rencontre, elle est de retour en prison. Alors, c'est pas une affaire forcément très médiatique, c'est une affaire du quotidien que l'on rencontre assez fréquemment, malheureusement. Docteur Paul Bonan, expert psychiatre. Elle a été mise en examen en mars 2018 et moi je l'ai rencontrée en octobre 2018 alors qu'elle était incarcérée à la maison d'arrêt de Gradignan. C'est une femme, une jeune femme, qui a une histoire extrêmement complexe, compliquée et je dirais même très chaotique. Tout d'abord par rapport aux images identificatoires. Sur le plan familial et parental. Pas de père biologique ayant été adopté par un compagnon de sa mère. Des souvenirs épars de son enfance avec l'évocation d'une maltraitance à la fois psychologique mais également une maltraitance sexuelle. Maltraitance sexuelle qu'elle a pu dénoncer à un certain moment à sa mère mais qui n'a jamais été crue, si bien qu'elle s'est retrouvée dans une certaine forme de situation de non-reconnaissance, finalement, à la fois de sa propre souffrance, mais aussi au niveau de ce que son corps a pu subir. Cela a eu un impact, forcément, sur sa structuration psychologique, et en particulier par rapport à sa façon d'aborder les autres, et en particulier, finalement, d'aborder les hommes. D'aborder les hommes parce qu'on va s'apercevoir que son histoire est faite de rencontres, un peu désordonnées, dans une forme, finalement, de mise en danger, avec des relations sexuelles le plus souvent non protégées, et donc avec des événements qui sont apparus pour elle comme banaux, avec de nombreuses interruptions volontaires de grossesse, et ce, dès l'âge de 14 ans.
malgré une relative stabilité ces dernières années, avec un compagnon dont elle dit qu'il est très amoureux d'elle, elle n'a jamais eu une véritable confiance vis-à-vis de l'homme en général, si bien que dans cette vie de couple apparemment apaisée, elle fait de multiples rencontres et a de multiples amants. Et elle va se retrouver ainsi dans des situations de plus en plus complexes et compliquées sur le plan personnel, y compris encore une fois avec des interruptions volontaires de grossesse répétées. Code B4, rapport d'expertise psychiatrique du docteur Bonan. Cindy Gastaldi décrit son compagnon actuel comme trop gentil, quelqu'un de parfait et d'attentionné. Elle ne sait pas pourquoi elle le trompe régulièrement. Dès le début de leur histoire, il y a eu des relations d'infidélité. Au niveau sexuel, elle affirme qu'elle ne prend jamais de plaisir, que ce sont des relations intimes mécaniques. Cette recherche de partenaires divers, pas toujours d'ailleurs des hommes de bonne fréquentation, c'est pour elle en quelque sorte une façon d'être reconnue. Car ce qui domine chez elle, c'est la notion de perte de l'autre et d'abandon. C'est une forme d'ancrage, pas forcément avec des gens recommandables, mais pour elle, c'est important qu'elle ait quelqu'un sur qui, finalement, se reposer. Au sens, finalement, du terme anaclitique, du grec anaklos, qui veut dire se reposer sur. Code B4, rapport d'expertise psychiatrique du docteur Bonan. Cindy Gastaldi explique qu'elle oubliait régulièrement sa pilule contraceptive et ne pensait pas à les prendre. Les interruptions de ses grossesses non désirées ne lui ont causé aucun désagrément. Sur le plan psychologique, elle a fait au moins 5 tentatives de suicide en rapport avec un mal-être. Elles sont fréquentes, mais ces tentatives de suicide, on peut les mettre pratiquement en parallèle, je dirais, avec les interruptions volontaires de grossesse. Je veux dire par là que c'est, si vous voulez, il y a un balancier, soit tentative de suicide, soit interruption volontaire de grossesse. Tentative de suicide, parce que les tentatives de suicide ne sont pas véritablement dans une recherche et une volonté de mort, mais plus dans une tentative de faire appel à l'autre, d'être finalement reconnue comme en souffrance et devoir bénéficier du soutien nécessaire pour éviter justement ce qui est un fil conducteur dans son histoire, l'abandon. Je l'entendais arriver à la démarche, en bruit des chaussons un peu sur le sol. Donc je savais qu'elle arrivait. Puis des fois, elle demandait « Mais qui est-ce qui vient me voir ?» Je dis ah, « C'est Maître Bézy, c'est votre avocate. »« Ah, je suis contente de la voir. » Voilà. Maître Marie Bézy, avocate de Cindy Gastaldi. Donc je la vois très souvent. Et une fois passées les premières semaines après être mise en examen, elle revient un petit peu sur les faits, mais on n'en parle plus trop finalement. Et moi, ce qui m'intéressait surtout, c'est d'aller la voir sans dire « j'ai une meurtrière en face de moi ». Je ne voulais absolument pas me dire ça. Et j'essayais moi aussi d'occulter les faits, pour essayer d'avoir une relation véritablement authentique avec elle. Et on arrivait à converser comme ça, très naturellement, presque à parler de la pluie et du beau temps, parce qu'on n'avait pas non plus d'autres choses à parler. Et voilà, on a noué une relation très particulière. Alors Cindy Gastaldi, au moment des faits, elle a 24 ans. Donc elle est déjà mère de 3 enfants. Donc elle a eu sa première fille très très jeune, elle n'était pas encore majeure. Elle travaillait comme dame de cantine dans une école. Elle faisait des efforts et même en détention, elle a fait un peu de travail pénitentiaire. C'est pas quelqu'un qui s'est laissé aller complètement, finalement.
même s'il y a eu des périodes où c'était très compliqué, notamment les périodes d'anniversaire et des fées et de l'anniversaire de sa fille, qui faisait ce qu'on appelle la réminiscence un petit peu de l'événement. C'était des périodes très compliquées. Europe 1, Ondelat raconte. Côte B. Christophe Ondelat. Comment Cindy Gastaly, mère de famille sans aucun antécédent judiciaire et sans aucun signalement de la part des services sociaux, en est-elle venue à noyer sa fille Maëlys ? À l'expert psychiatre, elle raconte qu'elle a explosé après un incident banal. Comment vivent toutes les familles dans ce moment de stress qu'est le matin, juste avant d'aller à l'école, quand le temps est compté et quand les enfants s'agitent ? Il était environ 7h30. Je devais amener les trois à l'école, comme d'habitude. On s'était levé à 7h moins le quart. Les petits terminaient leur petit déjeuner. Et là, d'un coup, l'un de mes garçons a mangé son yaourt comme un cochon, quoi. Il y en avait partout, même dans ses cheveux. Alors je suis parti le remettre au bain pour le nettoyer. Et là, Maëlys, ma grande, elle s'est mise, elle aussi, à faire n'importe quoi. Je sais pas ce qu'il leur a pris ce matin-là. Maëlys a débarqué dans la salle de bain et elle a plongé tout habillée dans le bain. C'était n'importe quoi. Ça m'a fait dégoupiller. À cause de leur connerie, on allait être en retard à l'école. Vous comprenez, docteur, je supporte pas ça. Ce qui a entraîné chez elle un sentiment de révolte et de colère. Ce qui l'a amené à, finalement, poser sa main sur sa tête et à l'enfoncer dans l'eau de la baignoire jusqu'à ce que mort s'en suive malheureusement. Je souligne d'ailleurs qu'au moment des faits, il n'y avait chez elle aucune forme d'altération ni de perturbation. Qu'est-ce qui se passe ? Dès qu'elle s'aperçoit que sa fille est en situation finalement de détresse sur le plan vital, elle téléphone à son ami, à son compagnon, elle téléphone à un de ses amants et elle téléphone au SAMU où elle dit très clairement ce qui s'est passé et où, sur les conseils du SAMU, elle essaye de faire quelques gestes pour la réanimation de sa fille. Donc ça démontre bien qu'au moment des faits, je précise, qu'elle n'avait pas du tout d'abolition ou d'altération de son discernement. Code B4, rapport d'expertise psychiatrique du docteur Bonan. Cindy Gastaly affirme que sa réaction est liée au fait qu'elle pensait qu'elle allait être en retard pour accompagner ses enfants à l'école. D'où sa colère. Elle a indiqué qu'elle était en face de paranoïa car elle avait peur qu'on lui enlève sa fille. On l'a toujours considérée comme étant jeune et incapable de gérer ses enfants. Mais cette crainte correspond aussi à son histoire. Elle correspond totalement à son histoire. La crainte qu'on lui enlève ses enfants, c'est que ses enfants vivent la même situation qu'elle-même a pu connaître et vivre. C'est la boule de neige, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et pour moi, après, on débouche sur un coup de folie, littéralement. Maître Marie Bézy, avocate de Cindy Gastaly. Elle dira en procédure qu'elle était stressée, qu'elle était très angoissée. Mais après, c'est vrai qu'on a du mal à faire le lien avec une angoisse plus ou moins importante, aussi fondée puisse-t-elle être, et le fait d'en venir à un geste ultime, un geste létal. Il y a quand même un fossé, je dirais. Mais moi, je l'ai vécu, enfin, j'ai interprété comme véritablement un coup de folie. Un peu cet effet cocotte minute qui fait qu'à un moment ça explose et on n'arrive pas à se l'expliquer. Et je pense que c'est d'ailleurs pour ça qu'elle n'a jamais réussi à l'expliquer elle-même et donc à quiconque. La crainte de Cindy Gastaly de perdre ses enfants est totalement injustifiée. Les services sociaux n'ont jamais été saisis de cas de maltraitance de sa part. Moi, je dirais que c'était une bonne mère.
Et tous les témoignages vont le dire d'ailleurs, c'était ses enfants étaient toujours tirés à quatre épingles. Je pense qu'elle aurait pu se saigner pour ses enfants, véritablement. Mais bon, des fois, vous avez des enfants, trois enfants, c'est turbulent. Et puis bon, elle prenait des remarques parce qu'ils font du bruit. Mais elle le prenait personnellement. Elle le prenait personnellement, d'où sa crainte après exacerbée du placement de ses enfants, alors qu'il n'en a jamais été question, absolument pas. Il n'y a pas de procédure d'ouverture. Les services sociaux ne sont pas saisis d'informations préoccupantes à ce niveau-là. Et donc, il y a tout un, je dirais, un cinéma qui se fait par rapport à ça. Elle monte tout ça en épingle et elle est vraiment mal dans sa tête. Et je me dis, quelque part, on est responsable aussi de ce qui s'est passé, parce que maintenant, on place des enfants pour beaucoup moins que ça. Et elle avait peut-être besoin d'aide, parce qu'elle n'avait pas les clés pour certaines choses, parce qu'elle était très, très stressée, très angoissée, toujours à penser qu'on allait lui retirer ses enfants. Ça, c'est quelque chose qui revenait très souvent. Et je me dis que c'est quelqu'un qu'on aurait pu aider avant, peut-être qu'on aurait pu éviter ce drame. Et je lui ai dit, vous savez, je suis aussi maman, je peux comprendre des choses. Enfin, bon, j'en ai pas trois, mais j'imagine ce que c'est d'en avoir trois. Je dis, bon, effectivement, on peut se sentir débordé, mais il ne faut pas hésiter à appeler à l'aide. Moi, c'est ce que je retiens. Que c'est pas une personne qui avait un mauvais fond, c'est quelqu'un peut-être qui, par des manifestations qu'on aurait pu considérer comme problématiques, peut-être demandait de l'aide, que personne ne lui a accordé. Ordonnance de mise en accusation de Cindy Castalli. En août 2016, un des jeunes fils de Cindy Castalli était victime d'un accident domestique. Après être resté sans surveillance près de la baignoire, il était retrouvé sous l'eau. Cet accident n'avait eu aucune conséquence vitale pour l'enfant. Depuis, il était suivi mensuellement par la PMI. Deux ans avant, il y a eu une amorce de noyade pour l'un des deux enfants. Bon, à l'époque, ça a été traité plutôt comme un accident. Madame Castalli était allée chercher, là encore, en l'absence de son compagnon, l'aide d'un voisin. Bon, voilà, ça avait été effectivement peut-être un précédent sur lequel les différents intervenants n'ont peut-être pas pris toute la mesure du danger qui pouvait exister. Mais effectivement, bon, à l'époque, rien ne pouvait laisser présager qu'on était sur quelque chose qui pouvait être en lien avec des difficultés psychologiques de Madame Castalli. Maître Emmanuel Sutre, avocat du compagnon de Cindy Castalli. Le couple connaît des difficultés, qui sont des difficultés liées uniquement aux conditions dans lesquelles Madame Castalli a parfois tendance à s'absenter, peut-être à avoir des relations avec d'autres personnes. Donc là, Monsieur Kerzazi, effectivement, sur ce plan-là, est dans une situation dans laquelle il assume le quotidien, il remplit son rôle de père à l'égard des trois enfants, mais effectivement avec des relations qui sont parfois un peu distendues avec Madame Castalli. Alors que Cindy Castalli est incarcérée pour le meurtre de sa fille Maëlys, elle rencontre un juge qui doit décider du placement de ses deux plus jeunes enfants. Et lors de ces rendez-vous, elle montre un nouveau visage. Elle n'assume plus du tout le meurtre de sa fille aînée. J'ai notamment le souvenir d'une audience un peu compliquée avec une Madame Castalli qui était difficile à gérer, parfois semblant incohérente, parfois délirante. Un discours accusateur, par exemple à l'égard de M. Kerzazi, laissant entendre que finalement c'était lui qui pouvait être le responsable du drame qui était intervenu. En tout cas, ne revenant pas sur elle et n'ayant manifestement, ou en tout cas en faisant mine, de n'avoir pas connaissance ou conscience de ce qu'elle avait pu faire. Donc il y avait une espèce d'abstraction sur les faits dramatiques qui nous tenaient tous. Elle n'était pas en situation de responsabilité. Donc tout ça était tourné vers l'extérieur et surtout pas vers elle. Voilà.
Quelques semaines avant le début du procès de Cindy Gastaldi, comme c'est la règle, le président de la cour d'assises de Gironde rencontre l'accusé. Et là, il est stupéfait. Cindy Gastaldi lui paraît complètement folle. Alors il demande à un psychiatre, le docteur Paul Bonan, de l'expertiser à nouveau. Il veut savoir si, avec une accusée dans cet état, le procès peut se tenir ou pas. Et là, je vais être en présence d'une personne totalement différente. Je dirais même une personne complètement à l'ouest, au sens où elle n'est pas dans le réel à ce moment-là. Elle n'est plus dans le réel, elle est encore plus dans l'imaginaire. Docteur Paul Bonan, expert psychiatre. Mais je prends cela comme quelqu'un qui est en situation de grande détresse, qui est en grande souffrance, d'ailleurs elle est hospitalisée, et que par rapport à cette souffrance, il lui faut donner une autre image d'elle. Pas l'image d'une mère meurtrière, mais d'une femme sans histoire, d'une femme qui peut avoir dans la vie un autre parcours. Le fait qu'elle demande même des tests par rapport à son origine, elle essaye de se construire une autre identité, une autre personne, celle qu'elle n'a jamais été, mais qu'elle aurait voulu être. Code B22, second rapport d'expertise psychiatrique du docteur Bonan. Cindy Gastaldi se présente avec une expression émotionnelle particulière, indiquant spontanément, sans aucune question, avoir été adoptée en Guyane à l'âge de 2 ans et demi, alors qu'elle est née à Bordeaux. Elle dit être en souffrance morale. Elle ne comprend pas pourquoi elle a été incarcérée, car on ne peut rien lui reprocher, n'ayant rien fait de répréhensible. On perçoit chez elle une très forte charge d'angoisse en rapport avec sa prochaine comparution devant la cour d'assises de la Gironde. Le fait d'affronter ce qu'elle a fait devait lui être tellement pénible et tellement douloureux qu'elle a mis en place en effet des mécanismes pour en sortir, pour ne pas véritablement sombrer dans une dépression particulièrement sévère. Elle est dans la protection, elle ne peut pas accepter finalement d'être comme on l'aperçoit, et comme elle a pu être, et comme finalement tous les éléments vont la juger. Elle ne peut absolument pas être une mère qui a tué son enfant, dans la mesure où pour elle, elle n'a jamais eu d'enfant. Elle est plutôt pathétique. C'est une femme qui, de toute évidence, a souffert, souffre et va continuer à souffrir. Mais il me semblait, malgré tout, important qu'elle soit confrontée véritablement à la réalité et qu'elle comparaisse devant la cour d'assises, parce que c'était quelque chose qui pouvait être aussi une première étape pour la reconstruction. Et j'avais indiqué dans mes conclusions que donc son état permettait sa comparution, à condition qu'elle soit d'ailleurs accompagnée par des soignants de l'UHSA pour la soutenir, parce qu'elle n'était pas en situation véritablement de pouvoir parfaitement comprendre l'importance de sa comparution. Le président de la cour d'assises de la Gironde se range du côté de l'avis de l'expert psychiatre. Cindy Gastaldi va donc bien assister à son procès. Mais elle ne sera pas dans le box. Elle sera aux côtés de son avocate, entourée de 2 infirmiers psychiatriques. Une décision rarissime. Je comprends très bien quelle était la motivation, à mon sens fondée, hein, du président sur ce point. Maître Emmanuel Sutre, avocat du compagnon de Cindy Gastaldi. C'est qu'il était pour lui absolument nécessaire que l'accusé puisse parler, puisse discuter, puisse aborder les faits, puisse nous faire part effectivement de ce qu'elle pouvait avoir dans la tête. Et il a dû considérer effectivement que dans le box entre 2 policiers, ça serait très compliqué, ou en tout cas plus compliqué qu'on ne pouvait l'envisager.
Et malheureusement, on va se rendre compte assez vite que ce soit entre deux policiers dans le box ou entre deux infirmiers à l'extérieur, bah, la comparution de Mme Gastaly va être émaillée de difficultés extrêmement importantes pour la tenue des débats. Messieurs les infirmiers, faites entrer l'accusé, je vous prie. On est véritablement avec une audience qui va se tenir avec, entre guillemets, avec une folle. C'est-à-dire qu'il ne lui manque que l'entonnoir sur la tête pour faire du mauvais humour. C'est-à-dire qu'on va se retrouver avec une accusée qui va tout de suite, dès sa première audition, partir avec des cris, des vociférations, nous expliquer qu'en fait, elle est morte plus tôt, qu'elle est la résurrection de quelqu'un d'autre. Enfin, donc avec des propos totalement délirants, sur un ton fait de hurlements et de cris, et avec donc quelqu'un qui est dans l'incapacité, ou en tout cas dans la volonté, de ne répondre à aucune question. Aucune. C'est-à-dire que même les questions sur son identité et son état civil ne vont pas recevoir de réponse. C'est-à-dire qu'elle ne dira pas qu'elle est Madame Gastaly, elle va répondre qu'elle est quelqu'un d'autre. Et donc, on a affaire effectivement, en apparence, pour ceux qui ne la connaissent pas, pour ceux qui n'ont pas lu le dossier, et en l'occurrence, c'est le cas des jurés, puisque malheureusement pour eux, ces jurés n'ont pas lu le dossier, comme c'est l'application du droit en cour d'assises, eh bien, pour ces jurés qui découvrent Mme Gastaly, effectivement, elle est là, plantée entre deux infirmiers, tenant des propos délirants. La partie civile, nous allons effectivement essayer continuellement de ramener Mme Gastaly à son humanité, au fait dont elle est accusée, lui faire parler, effectivement, tant que faire se peut, de son enfant, de ses enfants, de ce qui a pu se passer. Ça va être extrêmement compliqué. Un mur complet, c'est-à-dire qu'à aucun moment, Mme Gastaly ne va, effectivement, tout simplement évoquer l'existence même de sa fille, parler de sa fille. À aucun moment nous n'aurons la moindre explication, la moindre réflexion, le moindre regret, rien, rien. Il n'y aura absolument rien, c'est-à-dire qu'on a affaire à quelqu'un qui est dans la négation complète et dans l'incapacité de pouvoir s'expliquer. Au troisième jour de son procès, Cindy Gastaly ne va pas mieux. Au président qui la salue, elle répond « Bonjour. Bonjour, monsieur le président de la République. » On est dans une montée en crescendo, effectivement, d'une apparence de trouble à l'audience. C'est-à-dire que on ne va pas pouvoir, effectivement, lui faire prendre conscience, effectivement, même de choses élémentaires. Alors, elle s'adresse au président, lui disant « Monsieur le président de la République », bon, ça va effectivement interloquer tout le monde, ou faire sourire les plus expérimentés. Bon, je garde de cette audience un souvenir assez mitigé, parce qu'effectivement, je le dis, hein, jusqu'au bout, je pense que nous aurons tous douté de l'existence d'un trouble complet chez l'accusé, en nous disant elle n'était certainement pas folle au moment des faits, elle l'était peut-être au moment de l'audience. Voilà, c'est la question qui s'est posée à nous, c'était celle-là. Je pense qu'il y avait une forme de trouble, je le dis, au moment de l'audience. Je ne suis pas persuadé, effectivement, que Mme Gastaly était dans la théâtralité complète. J'ai tendance à penser qu'il y avait chez elle une espèce de chape de plomb qui était tombée. Il n'était pas psychologiquement possible pour elle d'envisager, d'avoir à parler de ce qui était intervenu. Je pense que chez elle, c'était psychologiquement impossible. C'est éprouvant, parce que je garde à l'esprit la personne que j'ai assistée dès le départ. Maître Marie Bézy, avocate de Cindy Gastaly. Je me dis, c'est quand même énorme, cette dégringolade. Enfin, j'en avais parlé aussi avec son médecin psychiatre à Cadillac, parce que enfin, je trouvais ça quand même sidérant.
des personnes qui allaient bien, je dirais entre guillemets, enfin avec qui j'arrivais à converser de façon claire, qui répondaient à mes questions, qui savaient très bien pourquoi j'étais là, qui j'étais, qu'est-ce que j'allais faire, à quelqu'un qui, voilà, qui connecte plus. Et moi, je la reconnais pas, quoi. C'est très difficile, j'ai l'impression que c'est pas la même personne, ça l'est pas, enfin pour moi ça l'est pas. Dès le premier jour d'audience, je vois que ça va pas aller. Le lendemain, avant que ça reprenne, je vais voir l'avocate générale, je vais voir le président. On peut pas continuer dans ces conditions. Est-ce qu'on rend bien la justice? Est-ce qu'on peut considérer que le procès est correctement mené? Enfin, je remets pas en cause les compétences des uns et des autres, hein. C'est pas du tout le but. C'est est-ce que pour les victimes, est-ce que pour les gens qui sont là, qui assistent à l'audience, est-ce qu'on peut se satisfaire de rendre la justice à l'égard d'une telle personne, dans cet état-là ? Finalement, à quoi servait l'audience ? Parce que l'objet même de l'audience, hein, c'est de juger des faits, c'est de juger, là en l'occurrence, une accusée. Et clairement, on a dû faire le procès, certes avec elle, mais beaucoup sans elle. Beaucoup sans elle. Mesdames et messieurs, la cour. Mais moi, ce que j'ai dit au juré, c'est que la société qu'il représente devait rendre une sentence, un verdict, mais qu'il ne fallait pas perdre de vue la responsabilité que la société aussi avait, la défaillance de tout ce qui était les mécanismes d'aide sociale à l'enfance, tout ce qui était prise en charge psychiatrique, qu'on avait failli dans tout ça et qu'on avait tous peut-être une part de responsabilité dans ce qui s'était passé. Et je leur ai dit, moi, la première chose que j'ai vue, c'était une maman en deuil. Ce qu'il ne faut surtout pas perdre de vue, et ce qu'il faut que vous gardiez à l'esprit dans le cadre du délibéré, c'est que de toute façon, elle a déjà perdu un enfant, elle a pris la peine maximale. Après 4 heures de délibéré, Cindy Gastaly est condamnée à 25 ans de prison, dont les deux tiers assortis d'une peine de sûreté. Son autorité parentale sur les deux enfants qui lui restent lui est retirée. C'était On de la Traconte, Côte B. Rédaction en chef Guillaume Maury, réalisation Boris Paczynski. Le podcast de ce programme est disponible tous les vendredis dès 6h du matin. Retrouvez On de la Traconte, Côte B, tous les vendredis de 14h à 15h sur Europe 1.